Je m'appelle Grégory Alexandre, je travaille comme responsable QA actuellement dans une web agency pour un site d'e-commerce. Je suis prestataire d'une boîte qui s'appelle Coactive, qui est spécialisée dans l'agilité et la facilitation. Donc je fais aussi un peu de coaching agile quand le temps me le permet. Et moi c'est Aurélien Fauche. Donc je travaille avec Greg, en tant qu'ami, je suis sociologue des religions à l'école pratique des hautes études et au CNRS. Et concrètement, je donne des cours, je peux être professeur comme ça dans les universités ou travailler sur différentes thématiques, ça m'intéresse énormément. Et essayer d'aller au-delà justement de la disciplinarité juste qu'on a tous et d'essayer de chercher pour des échanges, des partages de connaissances. Alors aujourd'hui, le titre de la conférence était « Comment vendre le serious game dans l'entreprise ?» Donc c'était expliqué par science sociale. Ouais, sur la science sociale et essayer de comprendre en fait, d'abord là, pourquoi il y a une mauvaise réputation au niveau du jeu. Commencer par ça, comprendre les mécanismes du jeu et trouver des leviers efficaces à travers l'exemple du serious game. Donc où Greg a fait un super petit schéma comme ça, très bien fait, un petit bonhomme, aussi bien dans l'esthétique que dans le fond. Donc je préfère le montrer parce que moi j'ai juste le job de faire la pub, parce que ça explique un petit peu tout, c'est le petit kit théorique. Voilà. Et voilà, ça s'est bien passé. Moi qui me touche le plus, c'est la communication, c'est créer du dialogue. C'est pas essayer d'arriver sur son cheval blanc pour mettre en place des choses, mais c'est écouter les problèmes, écouter les contraintes, voir le contexte et discuter avec les gens pour essayer de trouver la meilleure adaptation de l'agilité dans le domaine. Donc voilà, c'est basé essentiellement sur la communication. Et moi personnellement, pour être honnête, en fait, ce que j'ai beaucoup apprécié, bien que je ne sois pas dans le côté agile, c'est... La plupart sont vraiment intéressantes, mais il y en a une qui me plaît particulièrement, c'est la simplicité. Parce que tout découle. Plus une idée est simple, plus un concept est simple, plus on va adhérer et meilleure sera la communication. Donc il ne faut pas tomber dans le simplisme. Le simplicisme, il faut juste être dans la simplicité. Et donc ça me plaît énormément parce que c'est ce que je fais tous les jours dans mon boulot où je suis dans une sorte de vulgarisation positive et optimiste à travers justement ce processus de simplicité. Avant tout, merci. Bah ouais, merci à la suite. C'était notre première conf à tous les deux et juste même séparés pour ça, dans ce genre de cadre. Donc ouais, un grand merci parce que c'est vraiment super sympa et c'était pas comme ça, un cadeau. Après, aux personnes qui sont venues aussi. Ouais. T'as d'autres choses à dire là-dessus? La bouffe était bonne quand même. Ouais, non, c'était bien. On a bien mangé. C'était convivial. Le cadre est vraiment très sympa. Le cadre est super. Vachement sympa. Et ce que moi j'ai bien aimé, c'est à la fois professionnel, plus... Je pense que vous avez bien intériorisé toutes les valeurs que vous véhiculez, donc super expérience. Bonne expérience.